tout à fait. Troisième centre carcéral dans la zone métropolitaine que je visite. Nous avons la possibilité de visiter la pénitentiaire nationale. Après, je suis allé à la je me retrouve dans la prison civile de Pétionville. Donc, nous connaissons la prison civile de Pétionville, hébergée essentiellement et prison femme. Je suis allé à la prison accusée effective de 327 personnes qui sont dans la prison. Il y a 266 qui, normalement, obtiennent le jugement. Il y a 36 qui sont condamnés et il y a l'autre catégorie de personnes. Il y a 25 qui sont retrouvés dans l'autre catégorie. Une fois de plus, le chiffre ça montre nous que il y a trop de monde qui est en situation de détention préventive prolongée. Voilà pourquoi, même j'aime défendre dans l'autre centre carcéral, je vais faire accompagner des autorités qui ont un rôle à jouer dans sa relais, le commissaire gouvernement Port-au-Prince et certains de ses substituts qui ont un rôle à jouer dans sa relais détention préventive prolongée. Ça te permet de nous constater de visu des situations illégales qui sont en prison. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui dit que elle est accusée de escroquerie. Escroquerie a son infraction. S'il est jugé condamné, elle a fait 3 ans en prison. Mais elle a 4 ans en prison, elle va juger. Donc c'est une situation qui est anormale. Et nous demandons au commissaire gouvernement former une équipe d'ici lundi 10h. Il n'y a pas le temps de au cas par cas et les gens qui méritent libérer, libérer. Les gens qui méritent de passer devant le juge naturel, prennent disposition pour passer devant le juge naturel.